pas tout à l'heure, je te rappelle mon cœur. Ceci nous permet de collecter environ 3 tonnes, 3 à 5 tonnes de déchets de PET chaque mois. Donc, une partie est utilisée pour faire des bateaux, une autre partie pour faire d'autres poubelles, et d'autres parties, bouteilles, sont plutôt stockées que nous fournissons à certains partenaires. Elle est légère et facile pour moi parce qu'il arrive parfois je dois pêcher seul. Donc je peux transporter celle-ci, l'amener à l'eau facilement, la porter, la déplacer sans avoir besoin d'aide. Et non seulement elle ne se gâte pas facilement. Donc elle est plus économique, elle est plus durable. Il n'y a pas une peur qu'elle sera peut-être cassée ou fissurée et elle ne coule pas. Donc elle est vraiment très pratique. Les très pratiques. On nettoie les plans d'eau en enlevant la jacinthe. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire sur ces embarcations-là. De ce fait, un pêcheur qui voudrait prendre ces embarcations devrait augmenter des mesures de sécurité personnelles, c'est-à-dire s'entourer de tout ce qui est flottable, de tout ce qui peut le maintenir en flottaison à tout moment, parce que si jamais il arrive qu'il y a désintégration de ces bouteilles en mer, il pourrait au moins rester en flottaison avec ce qu'il aurait sur lui. Madiba et Nature a décidé de
d'installer les éco-bins pour la pré-collecte des déchets, parce qu'on avait constaté qu'à chaque fois qu'on faisait une campagne de nettoyage dans les ponts, après les pluies, les ponts étaient inondés. Donc on a voulu couper le problème de pollution à la source en installant les systèmes de pré-collecte en amont.